Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau chapitre qui traite du module bibliothèque de Lightroom. Dans ce chapitre, nous allons voir comment importer le contenu d'une carte mémoire. Dans le chapitre précédent, nous avons vu comment créer un catalogue et nous avons commencé à l'alimenter par les photos qui existaient déjà sur notre disque dur. Maintenant donc, nous nous positionnons dans le cas où nous venons de faire un ou plusieurs shootings et que nous allons donc transférer le contenu de notre carte mémoire sur l'ordinateur, donc copier les fichiers sur votre arborescence disque et dans le catalogue. La carte mémoire est insérée dans notre ordinateur. Elle est où l'appareil photo est connecté à notre ordinateur, c'est comme vous voulez. Il nous suffit maintenant d'importer. Donc, je clique sur le bouton Importer qui se trouve en bas à gauche. Voilà, nous sommes dans la fenêtre d'importation et il a détecté qu'il y avait une carte mémoire, donc un appareil photo ou un lecteur de cartes qui était donc connecté à l'ordinateur, et immédiatement, il affiche le contenu de cette carte. Donc ça, c'est automatique, hein, vous n'avez rien à faire pour qu'il le fasse automatiquement. Donc, il affiche toutes les photos contenues sur les cartes mémoire. Donc on voit qu'il y a un shooting de studio, brut de fonderie, et quelques photos HDR et panoramiques. Donc tout ça, ça va être pour la démonstration hein, de notre module bibliothèque, bien évidemment. Alors comment ça se passe Il vous propose aussi, par défaut, copier. C'est-à-dire, si vous vous souvenez, il va copier les photos contenues dans la carte mémoire sur votre ordinateur. Donc c'est bien ce qu'on veut. J'aurais pu copier au format DNG avec conversion en format DNG donc ça ne m'intéresse pas pour le moment, nous voyons à droite que les paramètres du mode copier sont plus importants que les paramètres du mode ajouté. Pourquoi Parce qu'on va ajouter au catalogue, mais on va aussi copier dans l'arborescence de notre disque. Alors, pour la gestion des fichiers, alors ce que je vais faire, je vais fermer les onglets pour les décrire les uns après les autres. Pour la gestion des fichiers, nous retrouvons donc les mêmes paramètres que pour l'importation en mode ajouté, ce que nous avons fait dans la première vidéo. Pour la création des aperçus que j'appelle moi vignettes, pour ne pas confondre avec les aperçus dynamiques qui ne sont pas des vignettes. Donc je vais rester sur standard, vous vous souvenez, il y avait trois niveaux possibles. Donc standard, c'est très bien. Créer des aperçus dynamiques, euh, je ne vais pas le faire, mais je vous promets d'en parler dans la prochaine vidéo. Je vais y consacrer une vidéo entière aux aperçus dynamiques, qui sont beaucoup utilisés par les pros pour des raisons de performance et aussi pour des raisons de travail à distance, à distance de leur catalogue principal. Donc on verra précisément comment ça fonctionne, tout ça. Ça peut être aussi important pour nous amateurs dans la mesure où, par exemple, pendant des vacances ou un voyage, on n'a pas notre catalogue principal et on souhaite quand même travailler nos photos. Mais je reviendrai largement là-dessus. Ne pas importer les éventuels doublons, je laisse cocher. Là, on peut créer une seconde copie. Donc, on va faire une première copie dans notre arborescence disque mais on peut faire une copie de sauvegarde sur un autre disque un disque externe par exemple pourquoi pas donc moi je ne le fais pas personnellement parce que j'ai déjà une sécurité en double lieu j'ai une sécurité sur un cloud je vous avais expliqué que j'avais que localisé mon arborescence de mes photos sur OneDrive donc qui est un espace cloud de Microsoft et puis j'ai également un disque réseau en RAID sur lequel mes photos sont sauvegardées en permanence donc je ne vais pas rajouter une troisième copie de sauvegarde. Ajouter à la collection là on ne va pas le faire, on viendra plus tard sur cette notion de collection. Ensuite, je peux renommer les fichiers. Comme vous le voyez, les fichiers ont des noms un petit peu bizarres. Quand ils sortent de votre appareil photo, ils sont pas très parlants. Ces noms, c'est quelque chose. Ça peut être GAB quelque chose si vous avez personnalisé le nom de fichier sur votre appareil photo. Donc, je vais renommer les fichiers. Ça, c'est intéressant comme option. Avec. Une personnalisation du nom des fichiers donc je clique sur les paramètres personnalisés je vais les modifier alors on va tout effacer afin de créer une nouvelle personnalisation le nom de fichier je vais mettre un nom alors je vais faire la sauve la... Enfin, la sauvegarde mais l'importation en deux fois hein, parce que j'ai deux types de photos j'ai des panneaux et des hdr puis j'ai aussi un shooting de studio donc je vais le faire en deux fois pour les mettre dans des répertoires différents donc je vais faire un premier temps hdr panneau voilà et je vais rajouter un numéro de séquence alors, vous voyez, j'ai plein de possibilités. Hein. Alors, ne mettez pas trop de choses dans votre nom de fichier. Ce n'est pas la peine. Ce sera illisible s'il y en a trop. Et puis, n'oubliez pas que vous avez les mots-clés. Alors, numéro de séquence. Alors, vous voyez, il y a plusieurs possibilités également. Vous voyez comme quoi c'est très complet tout ça. Je vais prendre un numéro de séquence tout simple. Je l'insère dans le nom de fichier. Alors, je vais peut-être mettre un séparateur. Un ordre de score entre mon nom fixe et mon numéro de séquence. Et puis ça suffira. Hein Donc on garde l'extension nrw. Et le reste, je le laisse. Encore une fois, ce n'est pas la peine d'alourdir un nom de fichier, sachant qu'on peut mettre plein d'informations sur la photo dans les mots-clés. Donc terminé. Alors vous voyez que... L'extension, je l'ai laissée en l'état, hein, c'est pas la peine d'en créer une nouvelle, mais ça voudra rien dire pour le développement en plus. HDR panneau 1 pour la première photo, et la numérotation démarre de 1. J'aurais pu la faire démarrer de plus loin, donc vous voyez, c'est la, la souplesse de cette personnalisation du nom de fichier. Alors, ensuite, les paramètres, alors c'est toujours les mêmes que pour le mode ajouté. Hein. On peut éventuellement ajouter des paramètres de développement prédéfinis. Un copyright. Je garde celui que j'ai créé auparavant. Et des mots-clés. Bon, là, je vais mettre panneau HDR. Ça ne sert pas à grand-chose, mais c'est pour vous montrer que ça fonctionne. La destination. Alors, voilà qui est important. Alors... On peut donc s'organiser par date, comme le font beaucoup de photographes. Donc vous avez un plan de classement dans lequel vous avez un dossier principal. Comme je vous ai expliqué, c'est celui que j'ai fait personnellement. Hein. Je vous l'ai expliqué dans la première vidéo. Donc euh, par année, par mois, par jour, ou bien dans un dossier. C'est l'exemple que j'ai pris pour l'importation. En mode ajouter, j'ai un dossier par thème. Donc là, on va faire dans un dossier. Voilà. Et dans un sous-dossier. Et je vais saisir le nom du sous-dossier. Alors là, je vais l'appeler, je vous le donne en mille, panneau HDR. Voilà. Et alors là je vais préciser l'unité physique et le fameux dossier dans lequel je vais importer donc mes photos. Alors je vais le faire sur un disque, un disque externe, ce qui n'est pas cohérent avec mon plan de classement qui est sur euh, OneDrive. Hein, mais là c'est pour la démonstration, hein, c'est pour l'exercice. On verra qu'on va faire plein de choses à partir de ce disque externe. Et ça me permet de vous montrer plus de choses. Mais ce n'est pas cohérent avec mon plan de classement initial. Donc ne m'envoyez pas trop de messages en me disant que tu fais n'importe quoi. Je fais sans doute n'importe quoi, mais sciemment. Voilà. Alors je vais l'importer sur le disque externe F dans le dossier qui s'appelle photo. Donc vous voyez, j'ai demandé la création d'un sous-dossier panneau HDR. Il me le propose. Il n'a encore rien ajouté dedans. Mais il me montre dans quel dossier, en italique, avec un petit plus à côté du symbole du répertoire, il me montre dans quel dossier il va faire l'importation. Comme ça, je peux bien vérifier que je n'ai pas fait de bêtises. Et puis là, il ne me reste plus qu'à importer. Alors je vais sélectionner que les photos panoramique et HDR. Je désélectionne tout. Et je sélectionne seulement. Voilà. Et j'importe. Il revient dans le module bibliothèque. Vous voyez, il y a les barres de progression. Il y a deux opérations en cours parce qu'il y a l'importation elle-même. Et la création des vignettes, je crois. Voilà. Donc vous voyez l'importation a été faite et automatiquement il éjecte la carte après l'importation. Donc vous voyez qu'à gauche dans l'arborescence du catalogue de Lightroom on trouve un nou une nouvelle unité avec un dossier qui s'appelle panneau HDR. Dans lequel j'ai donc ces photos que je viens d'importer. Je vais faire rapidement la deuxième passe. Alors je ne vous explique pas tout, je vais faire ça très vite. Alors, vous voyez que les fichiers déjà, les photos déjà importées sont grisées. Il me propose d'importer celles qu'il ne connaît pas. Donc les aperçus standards, pas de création d'aperçus dynamique. Ne pas importer les éventuels doublons. Pas de copie secondaire. Pas d'ajout à la sélection. On va renommer les fichiers, mais un petit peu différemment. Donc on va l'appeler Studio. Avec le numéro de séquence, on va laisser comme ça. Vous voyez, il prend toujours les derniers paramètres. Voilà, donc Studio 1 RNRW. Pas de paramètres prédéfinis de développement. Le copyright, les mots-clés, ben je vais mettre studio dans un premier mot-clé, virgule, le nom du modèle, mode, dans un second mot-clé. C'est la virgule qui sépare les mots-clés. Dans un sous-dossier, et là le sous-dossier, je vais l'appeler studio. Voilà, on n'importe pas par date mais dans un dossier. Vous voyez pour ceux qui me posaient des questions après la première euh, vidéo, on peut bien faire les deux types dans un dossier ou bien par date. Hein. Lightroom permet les deux types d'importation, les deux types de classement. Alors vous voyez que dans le dossier photo de mon disque externe, il me propose de créer un sous-dossier Studio et d'importer toutes mes photos de notre cher mode. J'importe. Voilà, l'importation est terminée. Donc toutes mes photos se trouvent dans un nouveau sous-dossier qui a été créé sur mon disque externe F et qui s'appelle Studio. Il y en a 14. Et dans les mots-clés, on retrouve bien mode Studio. C'est classé par ordre alphabétique. Et vous voyez que le nom de mes fichiers, euh, studio, numéro de séquence et l'extension a bien été respecté. Idem hein, pour les panneaux. Vous voyez que mes photos ont déjà des noms de plus parlants. Et pour les panneaux, on retrouve le mot-clé que j'avais indiqué. Donc tout est parfait. Donc voilà comment se déroule l'importation. À partir d'une carte mémoire. Donc en mode copier, il fait deux choses. Il copie vos photos dans l'arborescence que vous indiquez. Vous pouvez paramétrer cette importation. C'est ce qu'on a fait en matière de nom de fichier, puis plein d'autres paramètres. Et vous avez donc automatiquement la création de vos, de vos dossiers que vous voyez apparaître dans le module bibliothèque. Voilà, donc je pense avoir beaucoup insisté sur ces importations. J'y suis allé dans le détail. Mais c'est important de comprendre comment on importe des photos dans le catalogue de Lightroom. On va voir dans la prochaine vidéo ce fameux, cette fameuse notion d'aperçu dynamique. Euh, je vais vous montrer comment on peut travailler avec ces aperçus dynamiques. Donc à vous de voir si vous les utilisez ou pas en fonction de ce que vous faites, de votre production, de ce que vous voulez faire en matière de post-production. Je vous remercie infiniment pour votre attention et je vous dis à très bientôt.